Oui, toujours sur la liste, mais du côté de Corso, cette fois avec la série 18 qui vient de commencer. Allez, si vous comptez bien, je vous rends compte de Saint-Lap, je vais bien sûr vous rendre compte de la vie de l'Orique, avec le Bancon, dans le club de Saumon, en moment, c'est lui qui occupe la tête de course. Sur la piste encore, il y a Valentin Leleu qui est là, qui va être même en deuxième position. Alexis Lemonin pour lui, Lucas Moreau pour les clés, Lucas Moncinali pour Etup, Manoa Dubois pour les gamins, et enfin Evan Kerriac pour le club d'Eradi. Saumon donc avec Bastien Trottodan toujours installé, lui à la première position, Valentin Leleu à la deuxième place, ça ne bouge pas non plus de ce côté-là. Ensuite, déplacement, on retrouvera Manoa Dubois. Donc, le premier rôle à la troisième place, c'est la quatrième position qui s'impliste par Evan Kerriac. La série 19, toujours des 8 ans et moins 15 ans, nous serons des quarts de finale. Nous sommes dans la première manche qualificative avec l'un et l'autre qui semble déjà pouvoir prendre le large de l'issue même du premier virage. Il s'agit de Nathan Oliveira. Pierre Amaron pour le club de Sarnay, c'est lui qui a les grandes têtes au premier virage. À sa poursuite, on retrouve sur la piste Tom Bayaola, il y a Terence Régénicala, Victor Pierre, Pablo Iglesias, Alexis Duflo et Ben Timor-Borzan pour le club de Terani. Devant, donc ça ne bouge pas, toujours Sarnay, avec Nathan Oliveira, la superbe dernière manche pour l'instant de la paire de ses pilotes. Avec Didier Trudel, Pierre-Yves, surveillé, Pablo Iglesias, il occupe lui la deuxième position, la troisième place, on parle comment. Elle sera pour Terence Léger, pour le club de Bertrand. Voilà, problème technique donc dans la 20, on enchaîne avec la 21 directement, ce qui nous permet aussi de nous annoncer qu'il n'y aura pas de course entre les manches, parce qu'il y a des gens de bien rejoindre les véhicules en bâton et le donc c'est pas comme d'ailleurs, il y a beaucoup de cyclistes qui ont pris l'avantage dans cette série 21, avec entre autres le Guetta Zambique sur la piste pour Saint-Quentin et sur le Guetta pour Vesoul, Arthur Bassin pour Léclair, nous avons Mathieu Lefranc pour Loise, Mano Le Courbet pour Franck en ville, Abel Badou pour Rony sur sa piste aujourd'hui, et Mathieu Langetas pour le club de Bassi. On est toujours à la première place avec Martin Roger. Voilà, pas vraiment inquiété dans cette première manche avant qu'il arrive, lui, déjà dans les livrages. À sa poursuite, nous allons retrouver notamment Enzo Pisa Calvi pour le club de Vesoul en deuxième position. Série 22 qui vient de s'annoncer, ce sont toujours des gloutons et des garçons sur la piste. Première manche qualificative, et bien sûr, Milan Ouaro, Adam Sourdillon, Raphaël Maguritain et enfin Florian Stéphane. Donc changement de leader puisque le Strasbourgeois pour l'instant lui a décroché à la deuxième place et c'est César Abka pour la club de Roubaix qui a pris l'avantage. On parle également de la troisième place, elle est pour Adam Le Chenou dans Paris-Tabou. Continue avec maintenant la série 23 qui vient de se passer sur la piste. Le pilote de Saumon, c'est lui qui a pris l'avantage. Nous, il sort des cas, il a pris le pilote de Saumon. Il a remis dans l'Est, et là, on est dans le monde. Nous avons Romain Grandier, Maxence Rivoire, Léon Docker, et enfin Thibaut Netzer pour Schwenheim. En tête de course, pour l'instant, ça ne bouge pas, c'est toujours Constant Pève. Le pilote Saumonais, c'est aujourd'hui qui est à la première place. À la deuxième position, un pilote du team Espoir, et nous, il vient de Tétoir, pas de changement non plus de ce côté-là. On s'intéresse à ce qui se passe derrière. Avec notamment pour Schwenheim, Thibaut Netzer qui vient ici chercher la troisième place.